Voici Irelia, la danseuse des lames. Irelia utilise les danses traditionnelles d'Ionia pour faire léviter des lames mortelles. Ses mouvements gracieux peuvent paraître tranquilles, mais une tempête menace les téméraires. Bienvenue dans le Focus sur Irelia. J'ouvre la danse. Le A d'Irelia est Roche Fatale. Elle fonce vers une cible, la blesse et lui inflige des effets à l'impact tout en récupérant quelques PV. Les dégâts augmentent si la cible est un sbire ou un monstre. Si la cible est tuée, le délai de récupération est annulé. Même chose si elle était marquée, nous y reviendrons. La compétence fétiche d'Irelia fonctionne désormais dans toutes les situations. Esquivez les attaques, foncez, éliminez les cibles. À vos marques, réinitialisez, partez. Le E d'Irelia, duo parfait, lui permet de marquer les ennemis. Elle envoie une lame et peut en envoyer une seconde vers une autre destination. Ces lames se rejoignent ensuite, blessant et étourdissant les ennemis au passage. Les champions et les grands monstres ainsi marqués peuvent réinitialiser Roche Fatale. Si vous ne relancez pas la compétence rapidement, la deuxième lame tombe au pied d'Irelia, mais les dégâts et l'étourdissement fonctionnent normalement. Duo parfait vous permet de frapper sous tous les angles. Multipliez les attaques imprévisibles pour surprendre vos ennemis, les étourdir et foncer sur eux avec un double rush fatal. L'ultime d'Irelia est pointe de l'avant-garde. Irelia lance ses lames qui se dispersent en frappant un champion ennemi et blesse tous ceux qu'elle touche. Ces lames marquent les champions et les grands monstres. En se dispersant, les lames forment une cage qui dure quelques secondes. Le mur de lames blesse, ralentit et désarme les ennemis qui le traversent. Le désarmement empêche les ennemis de lancer leur attaque de base. Ici, l'adversaire d'Irelia commet une grave erreur en franchissant la limite. Désormais, il tire à blanc. Bon, je suis échauffée. Utilisez votre ultime pour diviser l'équipe adverse, isoler les caries et multiplier les cibles marquées. C'est à ce petit jeu qu'on distinguera les meilleurs joueurs d'Irelia. Pointe de l'avant-garde doit être utilisée à la fois pour le mur de lame et pour les marques, afin de maximiser les dégâts et les rushs fatales. Passons aux Z d'Irelia, danse de défi. La première activation canalise la volonté d'Irelia dans ses lames. Elle ne peut plus ni bouger ni attaquer, mais les dégâts subis sont nettement réduits et elle gagne un effet ferveur ionienne. Nous y reviendrons. À la seconde activation, Irelia attaque et les dégâts dépendent du temps de charge. Comme les contrôles de foule n'interrompent pas la canalisation, utilisez-la au cœur du combat pour vous protéger des dégâts que vous ne pouvez pas esquiver. Utilisez-la aussi pour donner le coup de grâce à l'ennemi de votre choix. Le passif d'Irelia est ferveur ionienne. Toucher un ennemi avec un sort octroie temporairement des effets ferveur ionienne à Irelia. Toucher plusieurs champions avec un seul sort octroie plusieurs effets et les attaques de base allongent leur durée. Chaque effet ajoute des dégâts aux attaques de base. Au maximum d'effets cumulés, ces dégâts bonus sont augmentés contre les boucliers et Irelia gagne de la vitesse d'attaque. Une fois qu'Irelia a assez de ferveur, elle peut trancher les boucliers comme si c'était du beurre, annulant les défenses de l'ennemi. Ici, Irelia s'en prend à Nautilus. Résultat, disons que le héros des mers oscillera entre la mer et la mort. Respire. Irelia est dévastatrice quand vous enchaînez les rushs fatales. Verrouillez l'ennemi avec duo parfait pour manœuvrer librement et transformez les sbires et les marques en réinitialisation continue de votre A. Les ennemis qui ne suivront pas le rythme auront du vague au lame. Attention, je rends les coups. Quand les ennemis s'en prennent à vous, lancez danse de défi pour parer leurs attaques et même les éventuels étourdissements. Menez la charge avec pointe de l'avant-garde pour rester au contact de l'ennemi pendant que vous effectuez votre danse macabre. Bien joué. L'esprit nous a tous créés. Je dois quand même vous tuer. Merci d'avoir regardé ce focus. Cliquez sur les liens ci-dessous pour plus d'informations sur la danseuse des lames. Il semblerait que la danse continue.